ce deuxième volet de YouTube Warrior. Woo! Cette série qui est devenue culte sur Internet, humblement évidemment. Et cette fois-ci, on a invité Mister V, Jérémy Desclos. GG. Est-ce que vous êtes ravi et enchanté d'être là? Évidemment. J'avais longtemps attendu ce moment-là. C'est faux, absolument pas. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je suis en binôme avec mon frère de sang, McFly. Bonjour, comment tu vas? T'es quelqu'un qui peut avoir un enfant d'une seconde à l'autre, pour de vrai. Ça, c'est vraiment un coup de fil. Et Yvick est en couple avec Jérémy Desclos. Yeah! Woo gang dans la maison. Les blancs contre les noirs. Oh non, on fait la remarque direct. C'est le binôme le plus rapide qui gagne avec le temps additionné de chacun des deux candidats du binôme. Merci à World of Tanks qui nous permet de faire ce parcours qui est deux fois plus grand. Ça coûte très cher, donc on est obligé d'avoir quelqu'un qui nous aide pour l'argent parce que bon, on n'a pas assez d'argent. World of Tanks, c'est un jeu d'ailleurs, vous y avez joué? Vous connaissez bien ce jeu? En tout cas, l'enjeu est de taille, puisque le binôme qui gagne aura le droit de publier sur la chaîne YouTube de l'autre. Donc moi, je poste sur votre chaîne si on gagne, exactement. Et vous postez sur... On poste sur ta chaîne à toi. Parce que t'as beaucoup de gens, t'as tellement de gens que ce serait drôle qu'on publie par exemple une vidéo où on danse autour d'un chat en urinant. C'est un exemple. Ça se fait pas. Qu'est-ce que tu ferais si jamais tu gagnes? Moi? Tu perdras, la question ne se pose pas. Ah, par contre, je voudrais quand même préciser qu'à chaque fois qu'on invite Jérémy sur nos vidéos, il n'a rien à perdre. Oui. Sur Dragon Ball Z, il était là, tranquille, et là c'est pareil. Je prends extrêmement de plaisir. Je voulais juste rappeler que la première fois, c'est Squeezie et Maxence qui ont gagné, et ils sont permis de publier sur notre chaîne, souscrivez à un taboulé. Souscrivez à un taboulé. Aujourd'hui, c'est encore une fois Léopold Le Pérave qui n'a toujours rien demandé, comme l'indique son t-shirt. Alors, ça dit quoi? Toujours le mec qui a des potes, il n'a aucun flow. Attention, je te passe le mic, c'est parti. 3, 4. Quand je rentre sur la piste. C'est vous, c'est la. Ah, ok, d'accord. Tu restes pas de rythme. Non, c'est juste une phrase. Ce qu'on fait, c'est que tu te décales. Ouais, mais tu restes dans le champ, tu restes dans le champ, juste tu te décales loin. Je reste dans le champ. Et là, t'es dans le champ, et là, tu fais la promo de ta chaîne. Abonnez-vous. Super. Et c'est Léopold qui va comptabiliser les points. C'est lui l'arbitre aujourd'hui. Le système est toujours le même que YouTube Warrior 1. C'est un système de pénalité, d'addition, de malus. Malus, j'allais dire malus. Je suis content que tu l'aies dit parce que j'adore. C'est lent, toi. J'ai joui dans mon père. What? Un petit déroulé du circuit. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ok, le parcours se déroule de cette façon. Un parcours d'échauffement militaire avec passage de pied dans des petits pneus, passer en dessous d'une râtelière, puis passer au-dessus, sauter, puis re-dessous d'une râtelière, puis au milieu d'un pneu de camion. Oh, dès qu'il y a un pneu, je crie. Ah ouais, d'accord. Et ensuite, nous allons sauter dans une piscine au fond duquel il y aura une boule façon Motus. Vous choperez une seule des boules et il y aura soit rien à signaler, soit un malus. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 1, plus 2, plus 3, et plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Je tiens à préciser que la piscine devait chauffer cette nuit, le système pour chauffer la piscine est tombé en panne. L'eau est à 14 degrés. C'est un vrai plaisir d'être là. Beaucoup moins que 14 degrés. Beaucoup moins. Ah ouais, vraiment? Bah, c'est la mort. Absolument. Cool. Ensuite, en sortant de la piscine, il faut se changer parce qu'on va pas faire le reste trempé. Donc, il y a, comme en Formule 1, le ravitaillement. Là, on se ravitaille de fringues, on se change le plus vite possible. Vous verrez potentiellement. Le lévrier afghan d'Ivic et potentiellement mon gnocchi à moi. Ensuite, il y a l'épreuve du jeté de sac à dos militaire. Oui. C'est un sac très lourd qu'il faudra jeter au centre d'une cible. Plus vous êtes loin de la cible, plus vous avez des malus. Ensuite, il va falloir faire le cloche-pied sur les petites flèches. Bleu. Après le parcours cloche-pied, il y aura un système d'escalade, enfin un mur d'escalade. Qui est fort en escalade ici? Yes! Il y a des prises de différentes couleurs. Si tu prends les jaunes à un moment, ça fait un malus de 15 ou 10 secondes, on verra bien. Et si vous ne touchez pas les jaunes, aucun malus, mais c'est beaucoup plus dur, vous allez voir le parcours. Au sommet de ce mur d'escalade, il y a Anis qui a fait 8 ans de muscu qui est très énervé. Il faudra faire un shifumi avec lui, un shifumi en un seul tour, on le rappelle. Shifumi. Oh putain, et voilà. Il va falloir sauter de la plateforme pour arriver sur le matelas, mais tout en disant le nom d'un animateur télé ou d'une animatrice télé. Je vais pas donner un exemple, Tex. Laurent Vauquiez. Marie-Ange Lardy. Laurent Vauquiez, vraiment, c'est un homme politique. il a animé une chaîne télé dans son campus. Ah, donc vous connaissez pas l'humour? Est-ce que c'est affectueux si je fais ça? Ensuite, on enchaîne avec le parcours glissade Kipo Quiz. C'est la pire épreuve peut-être de YouTube Warrior pour l'instant. C'est-à-dire que le candidat va devoir parcourir une espèce de chemin qui sera extrêmement glissant, tandis que les binômes adverses lui jettera des petites balles de ping-pong avec une catapulte. Ça fait très mal. Pendant que le binôme sera sur un ordi avec Kipo Quiz pour lui poser une question sur la Seconde Guerre mondiale. Si vous répondez mal, vous prenez un malus. Si vous répondez bien, vous êtes digne. Parce qu'on en apprend tous les jours avec... Pardon, je t'ai coupé alors que t'avais raison, t'as que dans ta bouche. Ensuite, on enchaîne avec le blind test cardio, c'est-à-dire qu'il faut aller se mettre en place, tirer dans la petite boîte le nom d'une chanson, s'installer sur le vélo, pédaler très vite, boire de l'eau et faire deviner à son coéquipier la chanson qu'on a tirée en ayant de l'eau dans la bûche. Voilà, donc bûche, ça va être une bûche. Ah bah je me suis trompé de mot. On met de l'eau dans une bûche. Ah non. Ensuite, la dernière épreuve. Il y a un tank, comme vous pouvez le voir là. Si c'est McFly qui fait le parcours, il rentre dans le tank. Son coéquipier met un casque avec les yeux qui sont finalement blindés. Oui, bandé. Blandé. Bûche, enfin, bûche, blandé. C'est la pire intro. Je suis censé le guider, c'est donc une épreuve de communication, de complicité, de clarté. Il faut suivre en gros la ligne rose. Voilà. Et surtout, par exemple, moi je vais devoir pousser McFly, je dis pas
que t'es en surpoids, je dis que ta densité spirituelle va peut-être peser sur le parcours. Je suis en surpoids ? Ouais. Enfin, c'est clairement dit, quoi. J'ai menti ou pas ? T'as un peu minci. Regarde, je vous montre, je vous montre. Alors ? Ah, c'est toi qui vas accoucher ? Vic, dis ce qui se passe à la fin, s'il te plaît. On est depuis le tank. Et qu'on a. T'as vu comme c'est dur ? Suivre la ligne. Non, excuse-moi, c'est mon émission ou pas ? Non. Et pourtant, je te le fais. Bon, en gros, une fois que vous êtes arrivé au bout de la ligne rose, vous placez le tank correctement, vous chargez avec une munition. Le but, c'est d'atteindre la cible pour que ça fasse tomber le seau sur la tête de Léopold qui est là et qui n'a toujours rien demandé. Tu es content de refaire ça ? Oui. Viens le dire à la caméra ! Et ensuite, on additionne les temps de deux de chaque équipe et on voit qui perd à la fin et qui a sa chaîne YouTube qui est trollée. Celui qui émet la note la plus aiguë choisit qui commence. Okay. Et croyez-moi, c'est pas une joie de commencer. Okay. Il y a trois notes dans sa note, comment on fait ? Attends. C'est con, c'était pas mal. Okay. C'est-à-dire que qui donc c'est toi qui choisis qui commence. Ah bah vous. Ouais. Oui d'accord, mais qui de nous deux ? Qui de nous deux ? Qui de nous deux ? Qui de nous ? Alors. Putain, c'est toujours moi qui commence. Viens, 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 on discute, viens, on discute, viens, on discute. Quoi ? Attention. Mais, touchez pas ça. Mec, écoute-moi, oui. Je vais tout donner, je sais. Vais tout donner. Mais je sais, en plus. C'est chaud. Ok, on y va. Fais un cri. Bitch, lick him, fuck it. Din, 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 din. T'es quelqu'un d'exceptionnel, de rare, d'unique. Dis-moi quelque chose sur moi. Merci. On y va. Allez. 3, 2, 1, go. C'est mauvais. Arrête, ça se fait pas, mec. Ça se fait pas. Attention, il galère déjà. C'est bien, non, mais arrêtez. Soyez fair play. C'est bien. On plonge! C'est bien, c'est très bien! Oh, mais il a agi là! Allez, on y va! La boule! Il a pas pris de boule! Je la pose là, je sais pas ce que c'est! Les gars, c'est vague! Alors là, il change, on est en phase de changement! Donc là, il a froid apparemment! Allez, on y va, les gars! Il est loin en fait. Oui, il est loin. Sur l'autre parcours, il était plus près, on pouvait discuter. Allez, c'est parti! Là, il a fini de se changer! Allez! Ok! Donc là, il fait le lancer vers la cible. Ah si loin. Ouais, yes. Continue comme ça. Yes. Continue. En tout cas, mon cardio est dur. Vous êtes bien fair play. C'est ma chaîne qui est en jeu. Là, ok. Il a touché une jaune. Ta gueule. Ah, j'ai touché des jaunes. J'ai touché des jaunes directement. T'as un petit cheveu sur la langue, t'en as souffert dans ton enfance ou... J'avais un cheveu sur la langue et en fait, je parle très vite. C'est juste qu'on dirait que j'ai un cheveu sur la langue. Bonjour. Shifumi. Shifumi, yes! Ah, il a gagné, merde! C'est bien! Okay. Philippe Risoli! Dégomme-le, Yvick! Dégomme-le! Ah! Vrai ou faux, la bataille de Midway était la dernière grande bataille gagnée par les Japonais! Vas-y, fume-le! Fume-le! Faux! Vise les yeux! Vise les yeux! T'as gagné, pas de réponse! Qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus ce qu'on fait! Là! C'est ce que oh, tu ressembles au mec qui fait les émissions dans la nature, là. Into the Wild, là, The S-Wild. Mais ton père, toi! Tout ça, pourquoi? C'est soirée, là. Yannick, Claude-François. Oui, voilà, c'est bon. Viens là, aide-moi. Non, mais ça. Il est où? Là. Il est beaucoup trop gros. T'es où? Là, un peu sur la gauche, gauche. Toi, tape, au moins, droite. Là, tout droit. On va tomber. Donne-moi des indices. Mouve tout. Parle-moi plus. Pousse à fond. Allez. Ok, pousse tout droit. Allez. À droite, complètement droite. Ta mère. 40, 90 degrés, droite. Tape. Ah, putain. Tape, main droite à gauche. C'est compliqué. Quoi ? Avance, droit, avance. Stop. Un peu à gauche. C'est long. Gauche, stop. Ok, je cherche la munition. Qu'est-ce que c'est bon. Long. J'active. Ah ! Oui ! Hey, mais c'est génial, tu dis oui, mais on a aucun référent. On est là. Non mais ouais, j'ai fini le truc. Le cardio est fou. Comment il s'appelle Nature VS Wild, là, Man VS Wild? Comment il s'appelle le gars? Maxime.
Maxime, le cardio, c'est le plus dur de tous. La piscine te tue la gueule. Elle te met au niveau moins 1000 en termes de capacité physique. Regardez bien, il y a Léo qui débarque. Salut mon Lélé, ça va ou quoi? Ouais. T'as pas ton petit calepin? Oui, bref, alors il y a 37 points de pénalité. 37 secondes. 37 secondes en plus, alors. Première épreuve, il y a 2 points de pénalité. T'as touché 2 obstacles. Voilà, exactement. La piscine, c'est écrit 2 sur la piscine. Putain, j'ai 2 secondes de pénalité. La cible, t'as fait plus 15. T'étais loin, la cible. Hein. T'étais à côté de la cible. Ah, voilà. Très loin. Et jaune, t'as touché. Donc, au total, ça fait 37. Donc, c'est bon. Chifoumi, il a réussi. Animateur, il a réussi. La Kipokuis, il a réussi. Et Bethes, il a réussi. Donc, ça fait 4,22 plus 37 secondes de pénalité, ce qui nous donne un temps de 4 minutes 59 pour McFly. Allez, les gars. Je peux me mettre une serviette et me changer le haut, s'il vous plaît, parce que là, j'ai vraiment très froid. Jérém, c'est à toi, t'es chaud? Je suis chaud. Round 2! Allez! Moi, je peux t'aider pour abri, s'il te plaît. Te prends pas la tête. Oh, bah, non, vas-y, tranquille. Tiens, bouge-lui. T'as rien à gagner, t'as rien à perdre. Et honneur au W. Oui. Wakanda. Wakanda. Fais du mieux que ton peu. Ouais. Fais du mieux que ton père. Toute la France, tout le groupe gang, toute la Guadeloupe sont en train de zouker en pensant à toi. Vas-y, t'es bien raciste. On y va. 3, 2, 1, go! Allez, Jérém, les pneus. Ralenti! Voilà, en dessous. Ouais, il est très bon. Ça, c'est mon gars, ça, c'est le Wakanda. C'est si simple pour lui. Ouais, il est très bon. Oh, c'est 3. Allez, c'est que de l'eau, Jérém. Il a écrit quoi, là? Il a écrit 5. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est froid. C'est dégueulasse. Allez, vas-y, Jérém, allez. Oh non, on a vu une couille, non. Allez, Jérém, on y va, bon. Allez, Jérém. On est à 50 secondes, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Allez, Jérém, continue. Habille-toi, là. Il donne des indications très simples. Très normal. Ok, allez, ça. Jérém, joue. Merde. Oh, je te suce. Non. C'est facile. Vas-y, Jérém. Pas les jaunes. Prends les jaunes, c'est plus pas simple. Pas les jaunes. Il essaye de faire sans les jaunes. Le conseil, c'est de prendre les jaunes et foncer. Non. Pas les jaunes. Allez, mon Jérém. Redescends, je pense. Il va très vite. C'est dingue. Tu n'as rien à perdre. Allez, Shifumi. Allez. Mais tu es. Yes. Laurence Boccolini, je t'aime. Ouais, Boccolini, m'amène. Ah, vite. Et moi, c'est moi qui lance. Vas-y, je reste là. Nique-lui sa race. Il est pas là. C'est trop tard. Ici, environ 200 000 soldats débarquent sur les plages de Normandie. C'est quoi la question? Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Il est en train de tout réussir. Mon Dieu. Tu dois aller dans là. Là, excuse-moi, mais il est en train de nous détruire. Non. Bah mec, c'est dingue. Il a tout, il a presque pas de pénalité. Mais ils sont incroyables. Tiens, où tu vas? Tiens. Go. Tu vas assez fort. Go. Gauche. Stop. Jérém, il est incroyable. Un peu sur la droite. Un peu. Tout droit. On va un peu tomber. C'est pas grave. Fast and Furious. Vas-y. Tout droit. La droite. Vas-y, avance. Regarde la baie, c'est la baie. Encore, tourne à droite, à fond, stop. Elle a une onique. Non, pas sûr. 30 secondes, allez, 30 secondes. On y croit. Tout doucement. Vas-y. À droite. Un tout petit peu. Vas-y. Yeah. Mais Il a échoué. Un peu sur la droite. Oh, c'est bon, ça, regarde, regarde. Il a échoué. Pour toutes les gars. Courez. Yes! 4-18! Oh là, on est pas si loin! On est pas si loin, putain, les gars! Alors? La piscine? Non, alors tes vacances de l'été dernier? La piscine, horrible! C'est horrible? Ça m'a séché. J'ai sauté dans l'eau, je savais plus ce que je voulais faire. Ah putain, ok! Oui, t'as réussi? Je l'ai niqué d'un coup. Le présentateur, t'as dit qui? Laurence Boccolini. Lolo! Lolo, je t'embrasse. Le Pera, pénalité, s'il vous plaît! Au niveau des pénalités, il n'y en avait presque pas, finalement, il n'y en avait qu'une, c'est à la piscine. C'était plus 5 secondes, parce que la boue est. Ah, mais ouais, c'est ça, c'est tout! Oui, c'est tout! Pourquoi? La cible, il est au centre, il n'a pas touché une jaune en montant le truc. Non, perfect. 5 secondes, 4-23 en tout.
4-23, c'est horrible. Ça va être très chaud. J'ai mal. Très mauvais là. Sois mauvais. C'est un peu compliqué, les gars. Parce que moi. T'es le Usain Bolt des Yvelines, quoi. De Grenoble. Ah, c'est qui le prochain? C'est toi? Ouais, c'est lui. J'ai la niaque et j'ai peur. J'ai une espèce de diarrhée positive. C'est très bien. Ah, ça c'est bon. On y va. Troisième. Manche. J'entre dans le game comme un putain de fou. Tu le sais que je suis un putain de fou. Ok, tu sais que je suis un putain de fou. Parce que moi, je suis un putain de fou. Je vais vous dire un truc sincère, j'ai jamais été aussi peu chaud. Oh non. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que tu t'auto-convaincais un mec qui peut... Tu vois, tu te fixes des objectifs là, dingues mal, et tu vas... Okay. Okay. Deux drapeaux, ça fait l'Espagne. Ah, Servien, Servien là. Boum. C'est qui le meilleur? Boum. Je suis ton Cyril Pouget et mon Robert Pires. Ouais, je vois trop qui c'est cool. Oui. C'est qui le meilleur? David Lafarge. Non, c'est toi, mec, c'est toi, c'est Carlito. Okay. C'est qui le meilleur? C'est Booba, il est incroyable. C'est Booba. Ok, t'es chaud? Celle-là, elle est pour le collège lycée Albert Camus. Voilà, ça c'est beau. Celle-là, elle est pour tous les demi-pensionnaires. Voilà. Celle-là, elles sont pour tous ceux qui sont partis en colo à Châtel, été et hiver. 3, 2, 1, go! Allez, mon gars. Regardez. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Calme-toi. Là, là. Vas-y, mon gars. Pénalité, là. Vas-y, nique-toi. Oh là là. Et c'est une pénalité. Oh, tellement. Ah, ça fait mal. Il est perdu. Vas-y, c'est pas grave, avance. Y'a rien, Boras. Avance. Regarde, oh non, mais l'échelle, il entre. Ah, c'est bon. Pourquoi c'est il bon. Casse tout tout le temps? Bon, moi, son corps n'y est pas fait pour n'importe quel objet. Aucun objet ne résiste à son corps si long avec son élan. Quand il passe, tout tombe. Ça casse, sûr. Tout, c'est sûr. Ce moment est long. Putain, les gars. Allez, mon pote. Allez, grouille-toi, fils, grouille-toi. Putain, il a des grandes jambes. Grouille-toi, grouille-toi. On dirait un nom d'un rappeur. Grouille-toi. Allez, c'est là. Avec mon fils, la fin des... Encourage-moi, putain! Allez, mon gars, vas-y, mon pote! Oh, pas mal, c'est bon ça! C'est bon ça, il a été bon! C'est la pire chose! Je suis épuisé! Putain! Allez, mon gars! On va faire l'escalade! Comme le Cadillac Escalade, le meilleur 4x4, le meilleur SUV sur le marché. Son corps n'est pas du tout fait pour l'escalade, c'est vraiment le corps le plus éloigné de l'escalade, regarde! Shifumi! Merde! Oh, il a perdu. Wow! Samuel Etienne! Je fais quoi? Ok, ouais, lance des balles! Salopard! Vas-y, écoute-moi bien! Voilà où les Allemands utilisaient la machine Enigma pour encoder leurs messages! Ouais! Bonne réponse! Ouais. Vas-y, mon gars! Tire! Tire, fils! Allez, mon pote, tu l'as, c'est bon! Allez, c'est bon! Mais j'arrête de jeter, putain! Allez, pédale, on est là! On s'en fout de la bouteille! Allez! Rico. Despacito. Wouah! Viens, on monte dedans. Allez, on y va. On est parti. Ok. Droite. Stop, ralenti. Plus sur la droite, sinon on va se péter la gueule. Puis stop. Va tout droit. On va se péter la gueule, mais fonce. Mets-y de la force. Voilà, t'as tout compris. Oh, fonce. Stop. Oui, c'est là. Bon. Voilà. Non, il y a triche. Continue comme ça. Fonce à droite. Là, on fait le tour de l'art de cercle. Avance. Ils ont dépassé. Sur la droite. Poussez. Ouais, pousse sur la droite. Faut avancer. Ok, stop. Là, on est en face de la cible. Ok. Un tout petit peu sur la gauche, tu me mets. Stop. Fais ta gueule. J'en peux plus. Mets-en. Ok. Un tout petit peu sur la droite. On attend. Attention. Ah, merde. Meilleur temps pour l'instant, c'est Carlito. 4 minutes 7, c'est comme ça qu'on gagne. Les fringues, ça avait l'air d'être long. Non, t'as été très long. Je vous jure que ce parcours est dingue. On devrait le vendre. C'est ça? À des gens. J'en suis sûr que les gens auraient envie de le faire, tu vois, il est vraiment bas. Si votre père a beaucoup d'argent et que pour votre bar mitzvah, pour votre anniversaire, vous souhaitez faire ce jeu, n'hésitez pas à contacter directement McFly et Carlito. En plus, on en profite, j'ai enlevé mon bonnet pour voir que je ne suis pas chaud. Oui, on y va, compter les scores à présent avec l'arbitre Tetik-Tintunk qui est là, le Péraf. Ça va bien, toi, apparemment? C'est toujours un gars, il tremble tant. Bon, on peut y aller. Les points malus. Nous avons 4 points de pénalité ici, donc 5 x 4, ça fait 20 secondes de pénalité. Attends, quoi, ton père? 4 points de pénalité. Ah, j'ai tout touché, quoi. Ah, oui, strike. Ah, la vache. La piscine, c'est ok. La cible, c'est ok. Bravo à toi. Tu as touché la grippe jaune, ça fait un total de 30 pour le moment. Et Shifumi, t'as perdu, donc ça fait 30 plus 5, combien? 35. Champion. Ça fait 4,42. 4,42. C'est un cahier à toi, personnel. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on dise à Yvick. Ah oui, il doit faire moins que ce temps-là. Je l'ai vraiment dans les mains juste après. Quoi. Après calcul, le père Raph, dis-nous. Après calcul, il faut que Yvick fasse moins de 5,18 pour gagner.
Avec les pénalités, hein. Il peut prendre des pénalités partout. Honnêtement, c'est faisable. Oui, évidemment, c'est faisable. Arrête-nous la main. Arrête-nous la main. On a encore une énorme chance de perdre, c'est-à-dire encore une fois de créer un concept, d'inviter des champs et de perdre sur notre chaîne. Yes. On est très fair play, sache-le. Il y a aucun souci. Ça, par exemple, ça, c'est un exemple de non fair play, par exemple. Ok, c'est parti pour la quatrième manche, dernier tour. Mister V, c'est parti. Donc en gros, si on perd lundi à 18h sur cette chaîne-là, j'ai tellement hâte, vous verrez ce qu'il publie. Et si jamais on gagne, ce qui est encore possible s'il a beaucoup de pénalités, nous on diffuse lundi à 18h sur la chaîne des Vic. Jérém, tranquille, ça va toi? Ça va, ça va. Rien à perdre, juste bien. On y va. Allez, chauffez-vous, faites-moi allez, un discours. Faites-moi un show. Alors, Vic, Grenoble, Bretagne. Ok, tu... tu fonces, t'es le meilleur. T'es plus mignon et je t'aime depuis toujours. Ok. Allez, attends, juste, si je peux te donner un conseil. Merci, en tout cas, Carlito. C'est chaud. 3, 2, 1, go. Vas-y, champion. Allez, 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 allez. Tranquille, tu passes, c'est bien. Allez, tu sautes ça, c'est facile pour toi. Allez, tu vas, oui. Tu es une languille, allez. Une languille. Oui. Oh. Oui, allez, regarde. Il est traumatisé. Il est vénère, il est vénère. Il rigole plus du tout. Allez, sois concentré. Il est assez rapide pour l'instant. Allez, les chaussures. D'abord la gauche, d'abord la droite. D'abord la gauche, d'abord. C'est les couilles, ça. Les gars, on va encore perdre, ça me saoule. Non, mais il est très rapide. Il est tellement comme... Regarde. Il est trop lent, il est trop lent. Où es-tu? Là, il est lent. Non, mais parce qu'il se style, tu sais, il a un petit style. On s'en fout du style, avance. Oui. Allez, allez, allez. Allez, le sac, nique tout. T'as vu, il crie pas du tout. Oui, propre. Il y a que moi qui suis. Allez, allez, allez. Oh là là, vas-y, vas-y. Oh, il en profite pour faire un néné. Il fait un Superman. Pas les jaunes, pas les jaunes. Mais c'est incroyable, mais il est incroyable. Incroyable. Tu sais qui? Non, non, il est. Vous avez vu? Regarde, vraiment. Il ne crie pas. Il ne fait pas de vanne. Il ne fait aucun. Il est que dans la course. Tu ne fais. Ah! Allez! Yes, ça, c'est bon, ça. Pénalité, mec. Il a pas dit. Il a pas dit. Il a pas dit présentateur. Non. Non, mais si, mais si. Il devait perdre du temps. Il devait perdre du temps, ton sauce. Ça glisse pas du tout, la zone. Alors, vrai ou faux? L'Italie a commencé la guerre du côté des Allemands. Faux. C'est faux. C'est pas bon. C'est pas bon, mauvaise réponse. Ouais. Il a pas du tout glissé. Il y va tranquille, j'ai jamais vu ça. T'as vu? C'est quoi ça? Je vais retourner. C'est pas regretté, moi, de la part. Putain. Non. Tout mes fouilles. Merci. Oh, putain. Prépare-toi, tout droit. Okay. Tout droit, un peu à gauche, un peu à gauche, tout droit. Un peu à droite, un peu à droite. Tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, oui, 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 continue, tout droit. Continue, attention, 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 tout droit, tout droit. Par contre, il est bon, là. Jérém est très bon. Ouais, mon gars. Oh non, ils sont parfaits. Ouais, ils sont très forts, putain. Ah, là, sur le tank. T'es autour de la boule, t'es bien autour. Continue de drifter. Continue de drifter, vas-y mon gars. On est tous ensemble. Le W du groupe et de la victoire. Win. Toi-même, tu sais, avance tout droit, tout droit, tout droit. 5-18. Oh, non. Oh, là, c'est la pire chose. Ils nous ont mis la gueule. Oh, ça a pas déclenché. Vas-y, refait. Refait. Non, mais les gars. Non, il a le seum, il a le seum. Allez, c'est là où on peut gagner du temps. C'est là où on peut gagner du temps. Allez. Ça, c'est stable. Et ça, c'est le chrono. Bam. Yeah! Wu Gang! W! For the win! For the whoop! And for Wakanda, man! Wakanda! Bon, on dit que je suis un peu trop métisse pour être Wakandé. Mais voilà! Bon, là, on est d'accord qu'il peut pas avoir 1 minute 30 de pénalité. Là, on va les compter juste histoire de dire, mais là. T'as fait aucune vanne, t'étais concentré de ouf! Eh, les gars! À vous, t'aurais une ma chaîne YouTube est tellement. Précieuse! Inactive! Surtout que poster une vidéo de merde de 15 minutes où je me fais radier de YouTube! Juste par acquis de conscience, Léo, viens nous dire les malus, s'il te plaît! Léo se décompose! Léo, regarde le trop! Nous avons 5 points de pénalité. 5 secondes! Ah, ta gueule! 5 secondes de pénalité à la piscine! À la cible, nous avons 2 points de pénalité! Shifumi, nous avons 5 secondes de pénalité! Animateur, il ne l'a pas dit, donc ça fait 5 secondes de pénalité! Oh putain, je vais dire! Mais oui, toi! Que j'ai perdu au Shifumi, ça m'a. Exactement. Et j'aurais dit Laurent Romeshko, ça c'est le job. La question, Kipo Quiz, il a eu faux, donc c'est 5 secondes de pénalité. Okay. Donc ça fait un total de 5 plus 5, ça fait combien? 10! On est dessus. La bite demande au candidat de compter! 20 plus 2. 22! Et ça fait un total de 22 secondes de pénalité dans le plus grand des calmes, mesdames et messieurs. 9 et 12, ça fait 21. 4, 11, 4, 13. Merde. 4 minutes 13 avec les malus, c'est genre le meilleur bravo, score. Bravo. Ah ouais, incroyable. Ouais. Oh, oh.
Raja, j'ai le plus d'abonnés. Et en plus, je suis disque d'or, de platine. T'as kiffé quand même ce parcours, t'as kiffé ou pas? J'ai beaucoup aimé ce parcours et je suis très content parce que depuis le début de la vie, j'étais en mode ok, putain, j'ai tellement pas envie de perdre. Et non, je suis libéré, décontracté. Mec, du thorax. Hein, j'ai juste envie de poster une vidéo de merde sur votre chaîne qui va peut-être mettre un terme à. Logan Paul. On appelle ça Logan Paul dans le métier, je veux faire Logan Paul. En tout cas, merci à vous de m'avoir invité, ça fait très plaisir avec Théo de faire un peu de sport, ça nous détend si vous avez besoin de l'activité. Théo Non, je voulais dire. Non. Évidemment, je faisais référence à Théo Juice, mais c'est pas Théo Juice, c'est Jérémy Théo, évidemment. Si, ça veut dire que dans son cœur, t'es au level d'amitié avec Théo. T'es haut, quoi. C'est vrai. T'es haut dans mon cœur. C'est vrai, ça. C'était une vanne Coscas. Parce que je m'appelle David Coscas, faut le savoir, ne l'oubliez pas. Merci pour ce YouTube Warrior 2, les gars. Rendez-vous donc lundi à 18h sur notre chaîne pour voir ce qu'ils vont. C'est bien d'avoir fait ça ensemble parce que, car lier nos forces, c'est mieux que de pas les lier. Car lier nos forces. Oh, ben ouais. J'aurais fait sur tout le monde. Merci à World of Tanks qui nous a permis de créer ce gros parcours. Mine de rien, c'est un gros truc de mise en place. Merci à toute l'équipe. Il y a un petit pack spécial McFly et Carlito qui est normalement payant. Et là, il est gratos. Allez. Merci également à Léo Lepera. On peut l'applaudir. Oui, Léo. Il n'a toujours rien demandé, mais il est là. Souscrivez à la chaîne de Léo Lepera. Ouais. Mister V, si vous voulez, Jérémy Dedlo, ils font du très beau contenu sur internet. Et surtout, n'oubliez pas, souscrivez à la chaîne. C'est pas sexy? Non. C'est dégueulasse! On fera au montage ça, non?